Comment vous dire qu'aujourd'hui on se tape une toute nouvelle vidéo? Bref, on va directement mon conseil. Yo les potes, aujourd'hui on se tape une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, oui, on va parler du jeu Five Nights at Freddy's, mais pas vraiment du jeu, plutôt du film qui est en préparation sur le jeu. C'est un film sur le jeu. Il y a plein d'autres films qui sont sortis à l'effigie du jeu. Et ben là, on va parler du film Five Nights at Freddy's. Du coup, juste avant de commencer, vous pouvez toujours partager la chute pour le café plaisir, vous aménager si j'ai toujours pas fait. Je compte sur vous les potos. Du coup, on va parler du film Five Nights at Freddy's, car oui, il y a bel et bien un film sur la saga FNAF réalisé par Scott Cawthon en préparation. Normalement, le film va sortir en printemps 2021. Il n'y a pas vraiment de date de sortie précise, mais normalement, il est prévu pour printemps 2021. Du coup, on en a encore pour longtemps, je vais pas mentir. Du coup, celui qui est normalement chargé de réaliser ce film est Chris Columbus. Pour tout ce qui ne connaît pas, c'est qui Chris Columbus? C'est le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et le réalisateur de deux épisodes d'Harry Potter. Il a réalisé deux films assez connus. Du coup, c'est lui qui est chargé de réaliser le film Five Nights at Freddy's. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise, mais normalement, il est prévu pour printemps 2021. Alors, sur le Reddit du créateur du jeu, du coup, Scott Cawthon, il a mis plusieurs idées qu'il a eues. Mais il y a plusieurs scénarios qui ont été rejetés pour le film, plusieurs scénarios. Mais en fin de compte, on croyait que ça allait jamais se terminer, mais en fait, Scott Cawthon, du coup le créateur de FNAF, a trouvé enfin le scénario idéal pour le film, le scénario qu'il faut. Du coup, le scénario se nomme Mike, je crois que c'est le personnage principal du film. Du coup, je vais un peu vous dire, normalement, ça va se passer, je sais pas quand, dans une pizzeria, dans une sorte d'endroit abandonné, avec des animatroniques hantés. Bref, on sera vraiment dans un film d'horreur sur Five Nights at Freddy's. Ce n'est pas un film comme Maman j'ai raté l'avion, un film enfantin. Là, c'est vraiment un film d'horreur sur la saga Five Nights at Freddy's, réalisé par Scott Cawthon. Vous savez que le jeu est... Moi, le personnage, je le trouve super bien réalisé. Vous faites ce que vous en voulez. Et savoir faire un film d'horreur, plus que l'histoire est bonne, etc. Un film d'horreur, je ne sais pas si ça se passera dans une pizzeria comme dans les jeux vidéo. Mais je me demande ce que l'avenir nous réserve. Le film est prévu pour printemps 2021, après plusieurs scénarios rejetés du film, Scott Cawthon a enfin trouvé le scénario idéal pour Chris Columbus. Et franchement, le film, il a l'air bien. Je ne sais pas si je vais le voir personnellement. Mais pour les fans de FNAF, à mon avis, ils vont y aller le voir. Bref, bon, c'était une assez courte vidéo, je ne vais pas mentir. C'était juste pour vous annoncer car je suis tombé sur cette news très très récemment et du coup je voulais vous tenir au courant qu'il y aura peut-être en printemps 2021 un futur film sur la saga, sur le jeu vidéo d'horreur Five Nights at Freddy's, un futur film créé par Chris Columbus. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Bref, n'oubliez pas de partager, lâchez un petit pouce si la vidéo vous a plu, vous aimez lâcher si je n'ai pas fait. C'était Bullet Bug Gaming pour vous parler du futur film d'horreur Five Nights at Freddy's, sinon ciao tout le monde.